tous et à toutes, ici c'est Zouzous Bizarre et on se retrouve pour une nouvelle partie de Diablo 3 MDR. T'y as cru, je t'ai eu petit malin. On l'a fait tout le temps cette blague, elle est vraiment drôle, hein. Qu'est-ce qu'on s'esclave. Donc on est sur Diversity 2, la dernière fois on avait fait parcours avec brio. Honnêtement j'avais pas trop mis longtemps, c'était cool, j'espère que... Enfin, j'ai pas du tout regardé... je vous avoue que je tourne ça à la suite, on va pas me mentir. Du coup j'ai pas regardé le temps que ça a mis, mais c'était... Ça va, j'ai mis pas trop longtemps, c'était cool. Donc là on va faire Escape. Escape Pancake. Donc ouais, comme je disais à la fin de l'autre vidéo, si jamais j'ai toujours pas commencé, oulala c'est beau, je vais le dire juste vite fait, si jamais à la fin de la vidéo vous êtes pas resté jusqu'à la fin de la dernière vidéo, je vais vous le dire maintenant, je vais sûrement commencer une série sur Anno 1404, regardez sur internet un peu le jeu, c'est un genre de jeu de développement gestion, et c'est très bien, donc dites-moi si vous êtes emballé ou pas à l'idée, ça fera plaisir, et si vous avez des idées pour, je sais pas moi, si vous y avez déjà joué... Est-ce que vous connaissez certains trucs pour, je sais pas, aucune idée. Voilà, vous connaissez les bails, voilà, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, c'est une très bonne idée de ma part. Je suis très fier de moi, dites-le, allez, soyez mes amis. Voilà, donc là, Escape, c'est plutôt en mode pharaonique, ta mère. Allez, salut. Graines, blou, blanc, vert, ok, qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est les histoires. D'accord. Ok, ça fait partie des trucs intéressants. Tu crois que je t'ai pas vu toi? Qu'est-ce que tu veux toi? Tu veux quoi? Allez, va-t'en le petit poisson rouge. Regarde-les, bande de schlag là. C'est schlag là. Qu'est-ce que c'est ça? Putain, faut trouver les leviers partout, ça va être très chiant. Faut que je me concentre fort et à chaque fois si je vois une torche, je sais que c'est bon. Ah non, c'est bon, y a pas de levier. Putain, j'ai eu l'air d'un gros autiste. Si, y avait un levier, c'est obligé. Qu'est-ce que je ferais là sinon? Faut que je regarde. Aidez-moi. Faut qu'à chaque fois que je passe, j'arrive à... Oh là, ici un bouton, ok, super. Putain, ça va être ça à chaque fois, trouver les boutons, je vais trop misérer comme un schlag. Retourne to the hub, non, j'ai pas envie. Hop. J'ai utilisé la dernière de mes ressources pour fabriquer ce livre et ce coffre. Si vous avez trouvé ce journal, je suis sorry de l'entendre. Je suis désolé d'apprendre que vous avez souffert. Putain, je pue la merde. C'est fou parce que dans ma tête, je comprends ce que je lis, mais quand je fais la traduction directe, je dis de la merde. Genre, vous avez souffri. Je suis désolé que vous ayez souffert autant que moi. J'ai aussi rêvé de la gloire et de gagner l'ancien, mais cet endroit n'a pas d'espoir. J'ai été stupide, et du on a été stupides tous les deux, de simplement entrer dans le centre du trou. Là, j'avoue que je fais de la traduction approximative. Comme si on était plus intelligent que le maître et qu'on savait ce qui allait arriver. J'ai aussi cru que c'était un miracle d'être réincarné après la chute. Ce qu'on avait vu tout à l'heure, qu'on était mort. Mais cet endroit est un grand mal. Je vous en supplie, quittez cette pathétique branche de la mort, retournez au hub et abandonnez votre aventure, enfin abandonnez ce que vous allez souffrir, donc arrêtez de souffrir quoi, voilà, fermez-la. Toujours perdu dans ces pièges, j'ai utilisé mon dernier souffle pour vous avertir, un double check my spelling if I could et vérifier deux fois mon lancement si je peux, je sais pas. Docteur Zomboss, ok merci, on va le garder parce qu'on a que ça à foutre, mais c'était très intéressant. Donc on a été réincarné et on doit s'échapper de la mystérieuse place, c'est très intéressant tout ça. Hop les, peut-être que faut que je trouve des trucs, des boutons, ça va être très chiant si c'est le cas parce que là il y en a partout un peu des trucs. Ok. Très bien, pour l'instant c'est pas trop dur là, j'y arrive. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh là là, qu'est-ce que c'était étonnant, tiens. Allez. Oui, ça devrait monter plus vite là, non? Pourquoi ça monte pas plus vite? Si, c'est bon. Oui. Merde. C'est bizarre, une source d'eau dans une pyramide. On a rarement vu ça. Ok, la tête de creeper, on la connaît. Oh merde. Oh putain, c'est trop stylé comme vue là. Oh, ça fait très psychédélique, j'aime beaucoup. Genre tout.
Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Attends, je vais tester un truc. Si on se met comme ça. Enfin, je sais pas, moi ça me fait... J'aime bien. Voilà, je suis peut-être un peu con aussi, ça doit être pour ça. On va partir tout droit, hein, comme dans tous les classiques. Ah ! Apparemment, c'est pas tout droit, j'avoue. Bon. J'ai fait ça pour vous voyez un peu la chute, parce que je savais que c'était pas trop non plus... Si on va sur le côté. Attends, ce qu'on va faire, en fait, ça va être... Ok, non, c'était là. Youpi. J'ai fait le mec un peu trop confiant. Donc là, il faut activer des leviers. Oh putain, j'ai... J'appuie sur des trucs magiques, je sais pas. Retourne to the hub. On va par où là? Je sais pas d'où je viens de là. Ok, on va aller. Ah mais non, je pense qu'il faut les faire les 4 en fait. Parce qu'il y avait marqué, je sais pas si vous avez vu les minéraux et. Hâte. Bah vas-y, 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 attrape, 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 attrape. Eh bah non, allez. Est-ce que tu y as cru? Ah. Ah merde, ça a enflammé la place, j'avais pas vu. Ok, pardon, attends pour moi. On ne mourra pas 3 fois, Jackie. Non, parce qu'après, si je dois le refaire, j'en aurais marre. Alors que là. Ah merde! Ah! Ah merde, on m'a eu! Putain, c'est quoi cette magie noire? Du coup, on peut les faire pop à l'infini, mais c'est quand même de la merde. D'accord, super. Un bloc d'émeraude! Y'a pas des pièges ici aussi? Putain, je me suis fait bien niquer comme on veut. Putain, ah oui, c'est bon, j'avais peur de devoir refaire à l'envers. Mais c'est bon. Hop, donc là j'imagine qu'on place le bloc d'émeraude ici. Oh, bien bien joué Blizzard. Non, j'aime pas ça. Ok, on part par là-bas parce qu'on y croit. Y'a toujours rien ici pour respirer. Non, à mon avis ça pue la merde. Oui, nous avons réussi. Donc on est content, mais c'est pas du tout là où on veut aller. Alors on va partir par là-bas. Afin de peut-être trouver la clé du mystère. Là je vous avoue que j'y vais à la complètement random. Je sais pas où je vais. Mais j'ai l'impression de faire la bonne chose. C'est ça l'important, je pense. Là, je crois que j'ai perdu du temps. Je crois que je suis en train de faire un rond sur moi-même. Ok, là, c'est là où on vient là-bas. Je vais mourir comme un petit pecno en mousse. Non, ici doit y avoir un truc. Je crois que je fais des tours. Hein. Je veux pas me. J'ai l'impression, la vague, de faire des tours en rond. Je voudrais pas non plus perdre trop confiance en moi, mais soit c'est le début, soit j'ai fait des ronds. Yes, non, putain. Ça m'a toujours fait rêver, les trucs comme ça, où vous faites n'importe quoi. Aucun moyen de se repérer, mais ça marche quand même. Ça m'a toujours fasciné. Il y a des trucs comme ça qui me fascinent. Mais sachez que ça en fait partie. Blablabla. Non, non, non. Ouf, putain, j'ai cru qu'on pouvait plus remonter après. Wop play. Le gold. Ta. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est? Ah d'accord. Putain, j'avais pas compris. Moi j'étais content là. Aïe. Ah. Oh, d'accord, là c'est... ça pardonne pas tout ça en fait finalement. Enfin, cela dit, ça pardonne parce qu'on peut... On a assez de vie pour faire le tout, mais c'est bien, c'est parce que ça lag pas du tout, tous les pistons qui bougent en même temps, ça fait pas du tout freeze. Ouais, freeze d'ailleurs. Il y en a qui font pas la différence entre lag et freeze, ça m'énerve, ça me donne envie de... Je suis en train de discuter, j'en oublie de sauter, mais ça me donne envie de crier famine en fait. Hein. C'est des choses comme ça qui me... Oh, allez, on a réussi. Arrête-toi, toi. Là, s'ils sont pas cons, ils ont tout arrêté, voilà, bien. Du coup, on peut partir. Super. Ah d'accord, ah parfait. Bon bah c'est pas plus mal, mais j'avais pas trop envie de mourir quoi, c'était pas trop le but. Et la redstone, yeah. Oh putain. Oh, j'avoue que j'ai même pas fait exprès. Oh. J'ai sauté, je crois que c'était des escaliers. J'ai sauté pour rater les escaliers, me faire mal en arrivant, mais que ça aille plus vite. Et j'ai vu la petite barrière, j'ai dit Jesus, that is what I want. Traduit littéralement, ça fait Jésus, j'aime ta mère. Ce qui est très très fin et subtil pour tous ceux qui sont croyants d'ailleurs. Désolé pour...
m'excuse. Voilà. Du coup, non, merde, va falloir le refaire du coup. Mais comment je voulais? J'étais censé faire la fin. Bon, du coup, si je me rappelle bien, c'était. Hop là, encore désolé pour mon SMS. Je sais pas si vous les entendez. Au pire, on s'en bat les couilles, frère. Non, putain, j'ai ripé, chef. J'ai pas glissé, j'ai ripé, chef. Et Géronimo! Ok, donc on va y aller en mage. Ça va être très très long. On va pas s'amuser, mais du tout. Si à un moment vous vous amusez, faites un signe. Bon, on va quand même faire ça rapidement. On va faire les angles en mage. En mage de feu. J'adore les blagues. Je pratique beaucoup d'humour dans ma chambre. L'année prochaine, je serai dans une grande école. Enfin, dans une grande école, qu'est-ce que je dis? Enfin, genre une école après le lycée, quoi. J'appelle ça les grandes écoles personnellement, mais appelez ça comme vous voulez. Du coup, il y a moyen. Mais non, mais comment on est censé faire à la fin là? Putain, faut vraiment aller sauter au dernier moment. Et du coup, en fait, je sais pas du tout si j'aurai le temps. Je pense pas de faire des vidéos. Mais il y a moyen peut-être que si, comme je serai tout seul et tout, je pourrai en faire tout le temps quand je veux, comme je serai dans mon petit 9 mètres carrés tranquillou. Genre le soir, plutôt que si j'ai pas de devoir à faire, ça m'aérera la tête de faire ça. Il y a moyen, mais je ne suis pas sûr. Donc je vous promets rien pour l'année prochaine. Mais en attendant, là, c'est les grandes vacances, alors j'en profite avant, au cas où je puisse plus l'année prochaine. Ce qui me ferait un peu chier, je l'avoue, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? Sinon, je vais bourriner les vidéos comme un connard avant la rentrée. Qu'est-ce que c'est ça? Ah d'accord, ok. Je vais brûler les vidéos comme un connard, comme ça je pourrais à peu près vous en poster pendant un an. Et quand je dis ça, tout le monde y croit, ok. Ok, salut. Attendez, je me fais pas avoir, voilà. Oh, ça disparaît. Franchement, c'est bien fait. Enfin, depuis qu'ils ont rajouté ces trucs de pouvoir bouger les blocs, moi ça me fascine. Oh putain, GG moi. On connaît tous les bails. Ouais, enfin, on va éviter de se suicider aussi. Est-ce que c'est ça? Je crois qu'il faut pas toucher le sol, à mon avis. Je le sens mal, leur truc là. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais ça s'appuie la. Ça pue la défection. Putain, mais ils veulent. Ils veulent vraiment me faire retourner au web, hein? Ah merde, ça va être long et chiant ça. À moins que. Je pensais qu'il fallait sauter par-dessus les cactus, mais en fait, on s'en bat les couilles. C'est bon, ok. Je sais pas si vous voulez qu'on saute sur les cactus ou pas, mais c'était hors de question, donc peut-être qu'il y en a plusieurs styles. Hein. Et si c'est prévu pour tous les trucs, c'est bien fait de leur part. Oh! Ça fait très bizarre comme ambiance. Bon, je sais qu'ils veulent faire ça comme si c'est un tombeau avec tous les crânes sur les murs et tout, mais ça fait style centre commercial de crâne. C'est trop bizarre. J'aime beaucoup la vie. Ça fait Galerie Lafayette finalement. J'adore les Galeries Lafayette. J'adore la France. Bon, faut que je trouve un truc en fait, c'est ça. Il essaie de me le dire depuis tout à l'heure. Moi, je suis un peu trop con du coup. Je comprends pas. Là, putain, j'ai trop de la chatte. Hein. J'ai vraiment trop de chance. Quoi? Ça se vit pas? Non, je croyais que j'avais de la chance. Arrêtez de. Tac, on va faire ça comme ça à chaque fois. Et pas un truc là-dedans. Tac. Tac. Non. Tac, tac, non, tac, tac, non, tac, tac, non, le mec qui semble t'es obligé de dire tac tac à chaque fois. Tellement moi c'est tout tacata. Aujourd'hui dans Gerbator 3000. Quoi de mieux qu'une spirale infernale? En fait j'espère qu'ils sont tous en haut parce que je regarde en haut depuis tout à l'heure mais ça me ferait chier qu'ils y soient pas. Et qu'il y en ait un en bas quoi. Moi aussi, hein. Moi aussi j'ai envie de gerber, vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas le seul sur cette terre à souffrir le martyre. Là, oui. Oui, GG moi. C'est pas ça? Mais si, c'est ça. Mais si, on va pas trouver plein de boutons juste pour ton petit plaisir là. Mais allez, pousse-toi. C'est quoi si je rappuie sur toi là? Vas-y, mais il y avait un bouton, normalement ça faisait péter l'autre, on pouvait passer. Comment ça m'énervait là? Je regarde sur la droite et la gauche en même temps. Du coup, c'est très nul ça, c'est très très pas intéressant. Hein, d'accord, trouver des boutons. Oh, il y avait une cachette secrète.
Mais on peut pas y aller. Je sais pas s'ils ont remarqué après. C'est un peu con. Parce que finalement, on ne peut pas y aller. Je sais pas s'ils ont remarqué ça. On va voir s'il n'y avait pas des trucs à avoir par là-bas. Ah, mais il y en avait d'autres. Ah oui, ok, d'accord. Ouh, ça s'annonce très très intéressant tout ça. C'est le genre de jeu qu'on adore tous. Le jeu des 7 erreurs, finalement. Qui s'est déjà amusé sur un jeu des 7 erreurs? Hein? Ça fait partie des trucs que tu faisais dans la voiture parce que. Parce que vraiment attendre, c'était limite moins intéressant que le jeu des 7 erreurs. Mais il faut pas abuser non plus. J'en ai fait un, je sais pas trop ce que c'est, on va voir. Bon, j'imagine que l'autre est de l'autre côté, donc je vais pas m'amuser à chercher de ce côté. Hop, ici on va commencer à chercher. Ok. Putain, s'ils en foutent sur le plafond, ça va pas être drôle. Hein. Parce que j'ai un peu du mal, moi, hein, faut pas croire. Peut-être que c'est à chaque fois la dernière case, je ne sais pas. Je ne l'en sais pas. Allez, allez, oui. C'est tout? Ah, d'accord, il faut que je regarde à chaque fois où j'ai appuyé sur des trucs. Je voyais une tête de squelette à mon avis. Je crois que j'ai compris, vous inquiétez pas. Vous en faites pas, je gère la situation. Parce que tout à l'heure je me rappelle quand j'ai regardé dans le truc. Voilà, vous voyez là, il y en a une. Celle de gauche, elle est vers le centre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'espère que oui. Encore, donc je vais le noter en fait quelque part parce que j'ai pas envie d'à chaque fois revenir. Hop. Bien parce que j'ai un stylo qui écrit pas, du coup tout ce que ça fait sur la feuille c'est ça fait un trou. Donc j'ai dessiné un trou qui ressemble à une flèche. C'était très intéressant comme anecdote. Je cherche la sortie là si vous voulez tout savoir aussi. Parce que finalement non, elle était par là-bas. Je me suis perdu là, ça me rend fou. Elle est où la sortie? Elle est là, ok. Voilà. Ici il y en avait deux aussi, il y en avait un là-bas. C'est intéressant tout ça. Quoi? Ben. C'est très utile ça. Tout sera ravi de voir ça. Et l'autre là-bas, je sais qu'il y avait un escalier, qu'on pouvait y voir des trucs. Je sais que c'était par là aussi. Voilà. Donc, oh putain, il y a trop de crans en plus, ça va pas être drôle. Oh. Mais non, mais pourquoi ils affichent rien l'autre là? Il y en a 4 boutons, il y en a un, c'est là où l'endroit où on affiche. 2 qui nous montrent ce qu'il faut faire. Et 1 où il y a juste rien. Finalement, ce n'est pas très drôle. Du coup, lui il était comme ça. Lui il était comme ça. On va bien s'amuser là, je crois que je vais devoir faire la technique pour ouvrir les cadenas au collège, donc on laisse lui comme ça, on tourne tout ça. Ok, on laisse lui comme ça, on tourne tout ça. Ok. Je sais pas si. Vous pouvez faire ça avec les cadenas à 3 codes, après c'est plus long mais. Mais bon, ça se fait quand même aussi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en gros je teste toutes les combinaisons possibles et voilà ça a marché. Ce que j'aurais pu faire dès le début mais. Bon, on va se prêter au jeu. Vous pouvez faire ça avec les cadenas en fait, vous mettez 0-0 partout, puis après vous mettez 1 à 1, enfin vous mettez 1 au deuxième, vous testez toutes les combinaisons, 2 au deuxième, peut-être ces combinaisons du premier, 3 et ainsi de suite, et à chaque fois vous arrivez à 9 au deuxième, vous mettez 1 au troisième et vous continuez comme ça. Enfin bref, c'est pas intéressant. On faisait ça en fait au collège parce qu'il y avait des casiers partout, mais voilà, pas plus. J'ai toujours ça moi, je les ai bien brain, hein. Ça marche pas. Pas très intéressant non plus. Finalement, tout ça est un ramassis de choses inintéressantes. Qu'est-ce que c'est ça? C'était un manoir, on est d'accord, mais c'est bizarre comme. Un manoir dans une. J'allais dire une église, mais c'est plus une pyramide. Quoi ça pourrait s'apparenter? C'est un mausolée en fait, finalement. Le mausolée nouveau. On se marre. What? God Pharaon Steve Head. Ah! Oh, j'ai réveillé de son éternel sommeil. Ah merde, mais t'es pas censé me taper, casse-toi. Oh merde, il m'a fait peur, si vous voulez tout savoir. Oh putain. Ok. Ah. Ça m'a fait peur.
Ah, on a réussi. On a réussi, nickel. Donc là, laine cyan qui va nous permettre d'avoir ta 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 la ta la ta 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 ta. On a réussi laine cyan. La prochaine fois dans le prochain épisode. AMC's Diversity. Weird. Labyrinthe cyan, ça a l'air très très nul ça finalement. Parce que le labyrinthe, je crois que c'est ce qu'il y a de moins intéressant. C'est comme le jeu des 7 erreurs, le labyrinthe. Des 7 familles aussi d'ailleurs, mais ça fait partie des choses nulles de ce monde. Avec Ebola. Ouais, je pensais à ça, il y a Ebola. Il y a le jeu des 7 erreurs, il y a les labyrinthes. Ça se tient, ça se tient. Dropped Survival Puzzle Boss. Ok, donc ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Ça, je sais pas. Ça, sûrement aussi. Ça va. J'espère que ça va l'être. J'espère qu'ils ont réussi à le faire d'une manière que ce soit intéressant. Si c'est le cas, je les félicite parce que rendre Ebola intéressant, c'est chaud. À part quand ça passe à la télé et ça dit oulala, il est mort. Mais alors, un labyrinthe, ça, c'est quand même au-dessus. Donc, on se retrouve la prochaine fois. J'espère que ça vous plaît toujours autant, la petite série. Hein. Je suis désolé encore pour la régularité qui n'est pas au rendez-vous. Mais bon, je vous ai déjà expliqué tout ça. C'est pas le cas, regardez les épisodes précédents. Faites un effort, je sais pas moi, allez chercher. Et du coup, on se retrouve la prochaine fois pour le labyrinthe qui, j'espère, va être intéressant malgré tout. Allez, salut, bisous, je vous aime. Je rigole.